Donc moi je suis Delphine Brasseur, je suis assistante de soins en Géronto au spa Sage La Josa. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va faire une séance d'ESA. Donc ce qui est prévu là c'est de faire travailler la mémoire. Bonjour madame Mathieu. Ça va ? Ça va et vous ? Et oui. Là aujourd'hui on est sur une maladie de mémoire qui amène des troubles, alors qui sont légers, elle n'arrive plus à s'orienter par exemple, elle n'arrive plus à gérer son calendrier, alors là on a mis en place des choses mais elle avait du mal avec ses rendez-vous. Bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? C'est travailler la mémoire aujourd'hui ? Oui. Oui, comme la dernière fois ? De... Il est sorti ? Non, je vais regarder. Ah, il est prêt ? Il m'attend ? Oui. Il m'attend. Oui. Une petite séance de Scrabble. Donc on a fait beaucoup de choses en fait dans une partie de Scrabble puisqu'on va travailler le repérage, on va travailler l'organisation, on travaille les gestes aussi, elle a une opération, donc ça fait manipuler les doigts, on va travailler sur le calcul, on va travailler sur l'acceptation des troubles de la mémoire. Ah, j'ai pioché le X qu'il vous fallait tout à l'heure. Tout, j'observe tout, je calcule tout, je regarde tout. Il faut. Ah ouais, ça vous permet de vous repérer. On sait qu'aujourd'hui votre mémoire, voilà, elle a du mal à enregistrer. Eh bien, on va faire autrement, ça c'est l'intérêt, c'est d'aller chercher des informations ailleurs. Oui, c'est ce qu'il faut faire, parce que sinon ça va pas. Hein. Ça, c'est mais là, vous vous débrouillez bien. Oui. Vous êtes bien remis depuis le moment où vous aviez eu cet épisode, là, où vous ne vous souvenez plus de rien. J'ai eu réellement du creux. Là, c'est beaucoup mieux. Et sur le frigo, il y a votre photo, il y a vos coordonnées. Comme ça, vous savez, c'est moi, ma photo, mon numéro de téléphone. C'est ça, en fait on laisse une fiche avec donc, ma photo ou la photo de l'autre ASG qui intervient, ma photo, mon numéro de téléphone, mon nom, mon service et après dessous en fait j'ai un carré où je mets tous mes rendez-vous au fur et à mesure. Ce qui permet à madame de savoir où on en est, si on est près de la fin ou pas, et à son mari de savoir un petit peu quand je reviens, s'il y a des rendez-vous, etc. C'est difficile. Mais bon, c'est pour ça, on propose plein de choses pour que ça se maintienne le plus longtemps possible. Alors, ça vous plaît beaucoup, hein. J'adore mon métier. C'est jamais la même chose, ça change. Hein. Je vais voir 5 patients dans la journée, sur les 5 patients, je ne fais jamais la même chose, je ne dis jamais la même chose. Voilà, c'est toujours différent, c'est très riche.